Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Et donc, si vous avez vu la vidéo d'avant, donc rebelote, me voilà. Et là, cette fois-ci, on va parler donc d'Alestide. Alors, précision sur Alestide, normalement, j'étais censé acheter le jeu en boîte. Il est à 20€ sur Amazon. Mais je l'ai vu à 4,99€ en version numérique sur l'eShop. Et donc, j'ai pris la version numérique. Mais je vous présente quand même la boîte. Hein, comme ça, vous savez qu'elle est aussi en version physique. Alors, qu'est-ce que Alestide et qu'est-ce que c'est de ce jeu un peu particulier? Premièrement, le jeu est vraiment sublime. Le développement, les développeurs qui ont développé le jeu, on va dire qu'ils ont mis tout leur amour, la passion, enfin tout, la totale. Mais il y a un mais. Le gameplay, c'est une catastrophe. Le personnage est une savonnette. Mais, si vous voulez, quand je dis que le gameplay est genre savonnette, ça veut dire qu'en fait, le personnage, c'est comme si c'était une plume et que le moindre mouvement, il part en cacahuète. C'est ça en gros, hein, savonnette, ça veut dire que le personnage n'a aucun poids et qui, c'est un personnage qui, comme le personnage n'a pas de poids, ça fait pas du tout un jeu de plateforme à la Mario, si vous voulez. Hein. Mario, en quelque sorte, le personnage, il a du poids. Je parle pas du poids physique, hein, d'accord. Je parle du poids de gameplay. C'est-à-dire que le personnage, il a une manière de... Il glisse pas, si vous voulez. Quand vous faites un mouvement, hop, vous avez le temps de revenir en arrière sans que, sur une petite case, hop, il tombe dans un trou ou quoi que ce soit. Hein. On peut gérer. C'est plus facile à gérer. De là, bah là, on va dire... En gros, c'est du gameplay sensible. En gros, si vous voulez, le gameplay est tellement sensible que la moindre mouvement... Crac, vous finissez au jus. Hein, c'est ça, hein, le gameplay savonnette, hein, si jamais vous me demandez. Voilà, quand je parle de gameplay savonnette, ça veut dire ça. C'est-à-dire que ça glisse, c'est un gameplay très très sensible, qui fait que dès que vous faites un mouvement, bah, vous allez au bail, hein, quoi, c'est direct. Hein. Hop, terminé, vous recommencez, vous êtes mort, tout ce que vous voulez. Bref, c'est ça. Donc, le jeu est nickel. Mais alors, le point noir, c'est le gameplay. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout si, de base... Enfin, je pense que oui, ils ont dû garder le gameplay de base, quoi, en fait, compte. Mais bon, ils auraient dû alourdir un peu le personnage. En fait, avec la gâchette droite, hein, vous pouvez passer donc, du jeu d'époque, rétro, hein, vraiment, les gros pixels comme vous aimez, hein, d'accord, vraiment, rétro et rétro, et donc la version complètement refaite, d'accord, hein, c'est plus qu'un remaster, là c'est carrément un remake, quoi, d'accord, hein. Vraiment le jeu est nickel, il est voilà, bon, mais ils auraient dû faire en sorte que quand on passe en mode moderne, bah, que le personnage soit plus lourd, d'accord, et que bon bah la version rétro, bah si c'est sensible, c'est sensible, hein, on va pas changer ça, mais là c'est dommage. Enfin bref, vous verrez bien. Hein, le jeu est nickel. Hein, si vous aimez ce genre de jeu, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de bug. Bon, si, bon, vous verrez. Hein, c'est mes bugs de capture que vous verrez l'être en plus vers la fin. Au début, ça n'a pas bugué. Mais le jeu ne bug pas. Hein, d'accord, hein, c'est mon logiciel de capture. À chaque fois, je vais le dire, ça, en fait. Le logiciel de capture, c'est lui qui bug. Hein, d'accord, c'est pour ça que ça saute un peu. Voilà. C'est dommage parce qu'au début de la vidéo, tout était nickel. Et puis tout d'un coup, bah, c'est parti en cacahuète. Bon, enfin bref. Enfin voilà, allez, place au jeu maintenant. Allez, donc c'est parti pour Alestide. Alors, oui, voilà. Alors, ça ira pour aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de rentrer. Je vais mettre un truc rouge. Il nous a préparé un bon repas. Okay. Alors, oui, voilà. Ok, y'a rien. Ah, sur quoi j'ai appuyé? Ah, c'est la gâchette, ok, d'accord, la gâchette. Donc, le jeu d'époque. Oh, purée. Et le jeu maintenant. Putain, les effets de lumière. Ah, zut! Ah, faut pas remonter. Ça fait un peu comme les jeux, bah, les jeux nets d'époque. Alors... Ok.
Ah, oh là, oh. Ah bah, c'est descendu rapide. Ah ouais, un coup, t'es mort. Direct. Ok. Ah mais je connais pas du tout ce jeu là. Bon attends. Ah ouais, c'est pas mal ça. Oh purée. Qu'est-ce que c'est? C'est, tout est fait exprès. Tu crèves là-dedans. Bon, on recommence. Bon, attends. Je sais pas à quoi ça sert ces trucs-là. Bon, ça c'est pour avoir un pouvoir. Titi. Ok. Non, je le fais pas lui. C'est un coup à avoir l'autre tâche. Ah oh, ça te tue pas ça. Bon. Ah oh, on peut pas faire une attaque. Ah oh, zut. Tac. Ça va. Ah mais par contre le gameplay Putain, le gameplay c'est un peu chiant je trouve quand même. Il est trop rapide en fait. Ah ouais non, je pourrais pas jouer avant en fait hein, c'est pas possible. Ouais, le gameplay il est trop... Le personnage c'est une savonnette. C'est pas... Ouais bon, tant pis. Ah c'est chiant, le gameplay il est chiant. C'est trop rapide. Il aurait fallu que le personnage soit un peu plus lourd en fait. Ah ok d'accord, c'est comme ça que c'est... Juste comme ça pour voir... Ah ouais, ouais d'accord, ok. C'était simple hein. Là... Par contre c'est vrai que graphiquement, le jeu est beau. Ça je l'avoue. Mais alors le gameplay... C'est le point noir du jeu je trouve. Alors... J'ai 340. Ça, c'est de la vie. On va prendre la moto. Ouais, allez. Ah merde, on la contrôle tout de suite. Ah bah, ça a été vite. Merde, dommage, j'aurais voulu l'avoir encore. Ah zut! Tant pis des petites pièces hein. J'essaie d'aller le plus loin possible déjà, ça sera bien. Ah! Je voulais passer en dessous, puis tout d'un coup je me suis dit, ah, oh, puis non, puis bah non, trop tard. Oh, il faut que tu recommences là.
ça va, j'ai cru que j'étais recommencé. Putain, moi je sais, je ramasse pas les trucs à l'intérieur. J'essaie déjà d'aller le plus loin possible. Ah, un boss. T'as une seule gueule lui. Attends, mais sa tête c'est une main. Ah, ah non, il est moche là. Il est mieux comme ça. Troisième commandant du... Ouais, ouais, on s'en fout, allez, roule. Papier, papier, ciseaux. Sérieux? Bon, le ciseau, allez. Ah bah, deux ciseaux, merde. Il va retenter quoi? Bon, je vais prendre le point, allez. Ah oh, purée, on était sûr d'y aller prendre autre chose. Bon, alors... On va prendre le ciseau. Il va choisir le point, c'est sûr. Ah, non. Bon, encore une fois. Alors, question choisie, la feuille. Ah, il... Ouais, allez, on va tenter la feuille. Ah merde, quel con celui-là. Ah non, je vais quitter, je vais me tirer. Oh purée, il faut tout recommencer. Mais c'est dégueulasse. Putain. Attends, tu meurs, tu recommences tout à zéro. Enfin, tu recommences tout à zéro. Bon, c'est fini. Ah non, j'ai recommencé parce que j'avais plus de vie. C'est tout faire sans perdre ses vies. Bon, alors voilà. Il le fait aléatoire ou... Oui, bon, allez, roule. C'est aléatoire ou c'est pas aléatoire? Il avait fait ciseaux tout à l'heure. Alors, je vais laisser Pierre. Après le ciseau, il avait pris quoi? La feuille. On va tenter. Ah ouais. Bon, en fait, vous connaissez le truc par cœur et hop, c'est bon, vous pouvez le... Oh, c'est transformé en sushi. Enfin, c'est pas un sushi, c'est... Comment ça s'appelle, ce truc-là? Bref, il s'est transformé en bouffe. Bon. Tu sais, comme ça, dans l'eau, ça fait quoi? Oh là là, c'est horrible. Enfin, c'est pas horrible pour ceux qui ont connu le jeu à cette époque-là comme ça. Ah, c'est sûr que là, maintenant, actuellement, ça... J'aime bien les jeux rétro, mais là... non, je pourrais pas... Vas-y, attends, on va juste au bout, là. Hop. Ah, par contre, la carte... ça, ils l'ont pas changé.
pouvoir se faire ajouter. Ça n'existait pas avant. Donc. Ah ouais, non, c'est quand même mieux comme ça. Hop, 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 hop. Ah oui, merde. Oh, non, mais... Ah, ah, ah. Ah, mais quand vous sautez, c'est chiant parce que... Ah, purée, salopard. Attends. Ah, mais... Mais saute-le sur ce... sur cette bulle, nom d'un chien. Ah, oh, purée. Ah, purée, c'est pas vrai. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, voilà, merde. Ouais. Bon, on va pas essayer de le zigouiller. Ah oh, bah ça va, tu pars. Bon, roule. On n'a pas le temps. Faut aller sauver le monde. Ah tiens, ça change. Ah putain, on peut tirer. Ah ok, il fallait pas toucher. Ah d'accord, ok. Bon, ok. Faut le dire quand même, merde. Oh purée, ce jeu va m'énerver. Oh purée, il va falloir recommencer à zéro. Ah bah attends, pas touché, on a dit. Attends, pas touché. Hein? Ah je vais dire, ça le zigouille pas. Comme ça on s'en fout. Ah bien. Faut pas tomber. Ah, je peux rester comme ça, c'est bien. C'est moi aussi les mêmes niveaux. Vas-y, c'est ça. Ah, c'est... Ah, ils se sont pas foulés, en fait. Ils ont... Ils ont... Bon, allez. J'ai 760. Qu'est-ce qu'il vend, le vieux? Alors, l'hélicoptère, ça se doit certainement pour avoir une autre vie. Ouais, mais si c'est pour avoir une autre vie... Bon, vas-y, on va prendre l'hélico. Ça va aller plus vite. Allez. Ah, purée. C'est pas... ici. Ah oui, mais attends. Passer tout le niveau comme ça. Un petit chien est resté à côté de son maître. Ah bah là je suis obligé de me faire Oh. Bah attends, je zigouille comment? Ah oui, d'accord, j'ai pigé. Oh, purée! Ah, faut pas le toucher, hein! Il est sensible! Purée, merde! Attends, comment tu veux faire? Oui, oui, on sait, allez. Alors, attends. Putain. Alors déjà, tu contrôles un bonhomme qui est comme une sabonnette. Alors, faut pas te tailler trop vite. Hein.
Ah oui, merde, je vais... Ah, c'est pas compliqué, mais alors qu'est-ce que c'est chiant, le gameplay, là. Ses oreilles, que mes yeux soient bénis. Le prince. Oui, non, allez, on s'en fout, roule. Au moins, on a eu un autre boss que le... L'autre, là, c'était pierre, papier, ciseaux. Là, on a eu un taureau. Oh, j'avais pas vu la crevette là-haut. Oh merde. Oh, oh, oh. Un peu plus et je recommence. Oh mais quel con, j'étais dessus. Bon. Vache. Je vais remonter, je vais remonter. Ah, j'avais pas vu en haut. Attends. Si je descends, je remonte comment? On va pas tenter. Oh, puis si, allez, pour le plaisir. Allez. Ah, on est d'accord. Ah non, ok, il y a une petite cache secrète. Oh purée, surpris. Mais tourne-toi de l'autre côté pour taper, crétin. Attends, on va l'utiliser ça. Oh. Ah non, casse-toi toi. Ah oh, purée. Et hop, on recommence. Ah mince, ça fait 20 minutes. Non, c'est bon, on va arrêter là. Ah, ça fait 20 minutes déjà. Quand j'avais tourné la tête, il y avait 11 minutes. Bon, bref. Non, c'est bon, je vais arrêter là. T'en fais voir comme ça. Ouais, bon. Alors, premièrement, le jeu est très beau. Ils ont joué avec les lumières, les machins, tout ce que vous voulez. Ok, pas de problème. Mais alors, le gameplay... Non, le gameplay, non, non. Non, là, ils auraient pu alourdir le personnage, quand même. Un petit peu comme un Mario. Voilà, un Mario, ça aurait été super. Mais là, actuellement, le personnage me saoule. Non, c'est bon. Voilà, bon, c'est bien. C'est un bon petit jeu. Hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation, juste avant celle-là, hein, je vous dis, j'ai acheté le jeu numériquement. Et que... comment dire, à la base j'aurais dû l'acheter en boîte,
Hein, il est sorti à 29,99€. Là, maintenant, vous pouvez l'avoir à 19€, je crois. Mais je l'ai eu sur l'eShop à 4,99€. Et franchement, il vaut les 4,99€. Mais pas 30 balles. Hein. Au pire, si, enfin, ça vaut 30 balles pour les développeurs, quoi, en fait. Hein, d'accord ? Parce qu'ils ont quand même mis... Ils ont mis beaucoup, comment dire, ils ont mis du travail, ils ont mis vraiment certainement de la passion pour pouvoir faire ça, mais ils auraient pu quand même améliorer le gameplay quand même. Hein. Je suis d'accord qu'ils ont refait comme à l'époque. Là, non, moi, non, c'est bon. Enfin bref, voilà. Allez, donc la prochaine fois, ça sera ce jeu-là, celui-là. Et puis moi, je vous souhaite à vous tous donc, une bonne journée, un bon jeu et une prochaine fois. Salut!